Et coucou, c'est les successeurs de Disney. Tout à fait. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une petite ouverture de cartes. Donc, il s'agit de cartes Disney Princesses. Donc, on fera un gros plan. Ouais, d'habitude. Ouais. On précisera bien. Ouais, apparemment, là, cette fois, ça doit sûrement être des cartes de jeu. Voilà. Là, parce que training cartes et game. Et derrière, ils nous disent donc qu'il y a aussi, on peut avoir un classeur de rangement, un guide du collectionnaire, un booster de 6 cartes, 12 autocollants en forme de cœur et un diadème de princesse à décorer. Donc est-ce que ça va être juste des cartes à collectionner ou des cartes de jeu? Je sais pas. Est-ce qu'on va se faire avoir encore une fois? Sommeil. Non, ça serait bizarre. Ça serait bizarre. Donc ça va peut-être être des trucs de collection. C'est énorme. Un classeur de rangement. Ouais. Le guide du collection. Mais c'est marrant parce qu'il y a marqué game là, donc c'est bien que c'est jeu, je sais pas quoi. Et ben on va regarder ça avec vous tout de suite. À tout de suite. Allons-y. Et donc nous y voici, donc comme vous pouvez les voir. Donc on les a achetés à Auchan. Si vous les voulez. Donc voilà, déjà on peut remarquer que c'est ce qu'ils font, voilà. quand ils commercialisent des choses en voulant donner un coup de jaune aux princesses. Voilà, les princesses sont un petit peu on les reconnaît pas. Modifiées, on va dire. On les reconnaît pas, hein. Enfin on les reconnaît. Ouais, mais... voilà, mais ils leur mettent genre des détails, voilà, genre Mulan elle a jamais eu cette robe, Jasmine elle a jamais eu cette robe d'oreille là. Un peu plus au milieu, voilà, comme ça là vous les voyez bien, voilà non. Ici. Moi je trouve qu'Aurore elle a une tête bizarre. Ouais bah c'est pas... Voilà, ils l'en mettent un petit peu au bout du jour, quoi. Désolé pour le flou. Ouais, ah. Voilà, c'est ça le truc. C'est... Déjà, j'ai jamais compris pourquoi Mulan est toujours mis avec sa robe alors que... Bah la plupart du temps, film... on la voit en homme, quoi. Enfin... Tout le film est avant, on la voit au moins comme voilà, ça, là, comme Disney Infinity, vous voyez. Non, en habillé avec une robe, mais pas aussi féminine, parce que justement... Justement, on n'est pas là pour parler de Mulan, mais bon, pour dire... C'est, voilà, c'est un exemple. J'aime pas qu'on représente Mulan comme ça, alors qu'elle aime pas être comme ça, ouais. Tu vois, voilà. Et puis là, par exemple, sur la pochette, donc le pire, c'est Pocahontas. Voilà, regardez. Les boucles d'oreilles plumes. Sérieusement. Sans compter qu'elle a plein de petits bijoux, vous les verrez pas, mais ouais, plein de petits bijoux sur ses vêtements. Je crois qu'elle a une espèce de broche, non, au niveau de la ceinture. Ouais, enfin, pas. Voilà, c'est... Je suis d'accord pour le coup de peps, mais en fait il est transformé en pouf. Hein. Un peu, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Non, mais ouais, alors voilà, qu'à l'origine, mais... aucune princesse n'est pouf, là elle ressemble toute à des poufs. Hein. C'est un peu l'idée, je pense. Bah voilà, bon, on va ouvrir pour voir ce que ça ressemble à l'intérieur. Tu veux que je te les ouvre? Attends, je vais faire une lettre sur le côté. Hop. Voilà. Je vais dézoomer un peu. C'est parti. Bon, vous voyez un petit peu. Ouais. Est-ce que ça va être des cartes à jouer ou... Et ben, je pense que oui, c'est marqué game. Bah oui. Surprise. Un peu plus tard. Donc il va y bien. Ouais. Alors je crois qu'on est de dos pour l'instant, surprise. Ouais, bah retourne une par une, sinon surprise. Je ne sais pas. Alors... Baisse un tout petit peu. Attendez, je vais essayer de faire bien la mise au point dessus. Voilà, j'espère que ça sera bon. Voilà. Et un peu plus vers là. Voilà. Ouais. Ah, elle brille par contre. Oui. Hein, ça, elle brille, fait la bougie mais t'as pour vu, elle a des choses. Ah oui, oui, enfin, elle a des bottes, quoi. Ouais. On peut dire ça. Des bottes fourrées. Mais oui, elle a une robe qui brille. Et numéro 9. Et voilà, numéro 9. Donc on suppose peut-être. C'est... Ou alors c'est un jeu de cette famille. Je sais pas, c'est écrit 138 ici. Mais non, 9, cette famille. Non. Ah bah oui. Yeah. Vous entendez le bruit de Periscope, vous pouvez nous suivre sur Periscope aussi. Ah. Ah non. Elles sont affreuses. Ouais, elles sont vraiment moches. Elles ont des têtes affreuses. Regardez, quoi. C'est bien zoomé pour montrer, mais... Oh mon dieu. Ah non, je peux pas. Pourquoi? Je suis désolé, hein, on utilise tellement le Periscope à plein. Bah voilà. Essayez de reculer pour moi. Voilà, vous pouvez les voir, elles sont affreuses, elles sont vraiment hideuses. Affreuses. Déjà que dans le film, elles sont hideuses, mais même Anastasie, alors qu'ils font tout pour la rendre belle. Voilà, essayez de rester à cette hauteur avec cette mise au point, c'est nickel. D'accord. Donc voilà, ils ont modifié très peu leur robe, mais c'est affreux. Oh, chou. Celle-ci, elle est cool. Ouais, voilà, elle est simple, elle n'est pas modifiée, il n'a pas de boucle d'oreille. Elle est belle. Ouais. Ah, elle est belle. Ah, tiens, bon, ça va, elle est normale. Ouais. Tu vois, pourquoi ils la modifient pas? Ils ont peut-être mis des petites mèches, mais pourquoi? Je sais pas. Ouais, il y a une ou deux, mais même pas. Hein, elle est bien. Après, par exemple, c'est une couronne, alors au date, c'était des fleurs. Ouais. Ça doit être une forme de collection, t'as raison.
Ah mais c'est sympa. Bon après, ouais. Après le truc c'est que ça fait hyper hyper... Non, voilà. Ça fait hyper hyper girly, c'est dommage, ça serait pas rose comme ça et ouais. Tout, ça ferait une belle petite collection. Oh, grande fille. C'est un peu pour voir que c'est plus petit. Voilà. Excusez-moi. Ah, tiens. Alors, règle du jeu. Ah. Alors, le cœur bat le papillon, le papillon bat la couronne, et la couronne... Ouais, donc c'est bien un jeu de combat, en fait, ouais. Ça rend compte. Commencez avec le même nombre de cartes chacun, minimum 6, parce qu'il y a chez prenez une carte et tournez là vers le haut. Ah oui, en gros, c'est d'accord, c'est un bataille. Peu une bataille, en fait. C'est une bataille, ouais, mais moins compliqué. Le gagnant du jeu, les cartes présentent le même symbole et le nombre le plus élevé, affiché en haut à gauche. Ah oui, le numéro. D'accord. Bon. Oui, en gros, voilà, c'est une sorte de bataille. Mmh. Donc voici pour la première. Alors attendez, pour la deuxième. Désolé, vous avez mis ma peine de peinture. Je précise parce que je pense que vous allez le marquer. C'est normal, ne vous en faites pas. J'ai pas réussi à tourner. Ah! Ah! C'est pas trop fou. Voilà. Donc là, on a Navine, ouais. Qui est de la famille Couronne. En fait, c'est des Pokémon. Attrapez-les tous, Disneyland! Oh, écoute! Ah, ça, c'est une. C'est un. Ça c'est un plan. Voilà. Ça c'est directement un plan de. Du film. Ouais, du film carrément. Mais c'est dommage derrière, ça fait pas jeu de cartes, ça fait cube ouais. En fait. Pardon. Donc voilà, je le mets en position allongée comme ça vous voyez. Hein. Donc c'est Flynn. Oh, même si je ne sais pas du tout d'où vient ce machin. Et jamais je n'ai vu un oiseau. Avec une lettre, avec un cœur, une enveloppe rose, je sais pas d'où ça. Ça fait pas Cendrillon, enfin les oiseaux ils sont bleus dans Cendrillon. Hein. Ouais. Enfin il y en a de toutes les couleurs. Ah bah tiens, ah, bah, voilà. Ça tombe là, bien non, en ce moment. Ah bah voilà, non, mais, en fait on est destiné à faire Mulan en ce moment. Hein. Donc voilà, une belle pioche Mulan. Ouais. Donc qu'est-ce que t'en penses toi de ça? Bon toi je suis sûr déjà rien que le fait que... qui nous transforme les princesses en un petit pouf pouf, là c'est pas fatal. Ouais. Surtout pour Gantas. Non, voilà, on va dire que la présentation fait bof. Après, je comprends que les petites filles soient. Ouais, voilà. Mais après, c'est dommage que par exemple, tu vois, ce soit pas tout gris, enfin neutre comme ça. Ouais. Parce que c'est vrai que. Enfin, après tout, il n'y a pas que. Non, le rose n'est pas partout. Mais je veux dire, il y a des petits cœurs derrière, c'est tout rose, vous voyez. Donc c'est dommage parce que ça pourrait faire une belle collection pour tout le monde, quoi. Pas forcément pour les filles ou même les filles qui n'aiment pas la rose. Parce que ça, il y a beaucoup, beaucoup de rose. Donc voilà, c'est content, c'est pas. C'est moins pire non, ça que. Peut être... Oui, je m'attendais à un truc plus. C'est moins pire que le sextoy de la surprise. La lampe. La lampe, c'est lampe magique. Et ben voilà, si vous les collectionnez, bah, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos si vous en avez beaucoup. Oui, si vous avez un carnet avec les collections, on sait pas des fois. Et ben voilà, et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Des successeurs d'ouverture. Pense. Rejoins-nous sur Periscope, Twitter et Facebook. Les amis, vous êtes déjà partis? Si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo de Prince et Princesse, pensez à vous abonner. Ah, bonjour, je suis Jiminy Cricket. Je suis ta conscience. Si tu veux un bon conseil et que tu aimes vraiment Disney, tu devrais t'abonner à cette chaîne. À bientôt les amis! Et surtout, sortez couverts!